On va continuer l'aventure avec, j'espère, aujourd'hui une très bonne vidéo. L'ombre du Alors, grand pas de courrier. Alors, on va aller voir Scurlock pour avoir une nouvelle mission. Et puis, on a beaucoup de choses à aller faire. Aller chercher un gros bateau. Aller chercher un gros monstre. Aller chercher un nouveau canon. Enfin, un deuxième canon. Tu en veux plus? Oui. Admires-tu le spectacle, crevette? Des Français rôtis à la broche par le clan de Farah, des épaves qui encombrent le port. Tu as berné ceux de Farah avec leur propre charme, bien mieux qu'une sirène. Ils ont pris les armes, et Karadec n'y comprend plus rien. Ils dansent sur le bûcher que nous avons allumé, mais le vent nous rabat la fumée au visage. Les marchandises ne sont pas arrivées à New York. J'ai cru que le chaos français perturbait les envois. Mais je commence à soupçonner une traîtrise. Mes cargaisons ont disparu, crevette. Pas la moindre trace de naufrage ou de commerce. Ah, ne t'en inquiète pas. Mes agents retrouveront les marchandises et pendront le rat par la queue. Toi, continue à alimenter le bûcher des Français. Je veux les voir en cendres. Ne fais pas les choses à moitié. Ok. Et eh ben on va faire ça. Alors, attendez que Scurlock trouve le moyen de récupérer sa cargaison perdue. Ah donc en fait, il m'a donné la mission de ne pas faire de mission. C'est ça? <C 'est... rire> Ok. Donc en gros, tire-toi, fais autre chose et reviens me voir plus tard. D'accord. Non, c'était bien, c'était bien. C'était très bien. C'est quoi ici le déplacement? Oui, non, mais je veux savoir la mission qui est dessus. C'est peut-être qu'il y a une nouvelle mission quand il y a ça, quand il y a un point d'exclamation. Ouh! Soif de sang, capitaine d'élite. Mais combien de temps j'ai vu? 1 minute 33. Ah, ça va être chaud, je peux pas y aller, c'est trop long. Trop long, beaucoup trop long. Donc, on va aller peut-être. Oh, il y en avait partout des missions là. Il y a des missions au large. On va peut-être essayer d'aller les chercher. Et après, faut qu'on aille tout là-haut. Et puis sur le camp là-haut, là, pour avoir nouveau bateau et le canon. Donc, ouais, tiens, tu sais quoi? Hop, on se barre. Ah, faut que je répare. Gérer la cargaison. Ah bah, il a pas vidé ce con. Tac tac tac. Ah, les saphirs, faut que je les garde. Ok. Ça, je sais même pas ce que c'est. Souffle. Je vais le dégager. Ça, je sais pas si quelqu'un va vouloir me l'acheter. Hop, on va réduire ça un petit peu. On verra pour vendre aussi les pendentifs, peut-être. Et on se casse. Décoration, change un petit peu de tronche. 6 sur 6. Ah, mais c'est pas beau ça. 3 sur 3, 0 sur 11, ben, j'ai rien. 6 sur 10. 6 sur 10, qu'est-ce qui me manque? Les décorations. 11 sur 13. Allez, on va mettre celui-là. Pour l'instant, on va aller se promener comme ça. Yo le nain, excuse-moi, tu m'as invité en groupe, mais je voulais faire un live et surtout jouer à Skull ce soir. Et du coup, bah l'un on entraîne l'autre. Hein. J'ai cru voir l'ami Gitsune qui est sur Skull and Bones aussi. Il est sur la version d'essai ou il a acheté? Bah, je sais pas si la question vaut le coup d'être posée. Allez, on va aller vite fait chercher des missions secondaires. On va peut-être essayer de piquer du grenat. Là, il y en a qui en veulent, je sais plus trop pourquoi faire. Tiens, un grenat non taillé. On sait pas combien il en a. Ça va pas si loin que je croyais.
Ah, j'attends tellement pour tirer. Ah ouais, ça pique quand même. Hein. Oh oui, ça pique. Hein. Hop. J'aime pas ce qu'il faut que j'en fasse de leur mission de grenat là. Ils m'en font encore un. Il y a encore le navire. Ah, 18 minutes. Hop, 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 hop. On va peut-être aller se farcir un capitaine légendaire alors. Parce que les. Il va peut-être falloir que j'en fasse là de leur mission comme ça là. On va essayer 18 minutes. C'est peut-être jouable. Pourrais-tu répéter? J'ai bien entendu. T'as un effet d'écho. Oh non, pour de vrai ou pas? Y a de l'écho ou y a pas de l'écho? Ou c'était pour déconner? Merde. Ah oui, y a un écho de fou. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, j'ai oublié de remettre mon micro, c'est pour ça, ça résonne dans... Ça résonne dans la baraque. Dégage-toi. Voilà, ça va aller beaucoup mieux là. J'ai oublié de remettre mon truc parce que j'avais plus de... Dégage toi. Ah, il est pas mort. J'ai oublié de remettre mon micro. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ah oui, on me dit pas. J'avais enlevé mon micro pour remettre un peu de chauffage et j'ai oublié de le remettre. Ah, c'est le problème d'avoir des micros là, d'en mettre un sur la tronche, hein, en cravate... Dès que je dois me déséquiper, là, ça devient un bordel. Je peux plus faire 2 cm. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller buter un capitaine légendaire. Je sais pas trop ce que c'est cette fois. 17 minutes. Ah, je repère d'aussi loin que ça. J'ai vu un bout de nuage s'enlever, non? Ah, je suis en train de tourner, là, non? 17 minutes. Je demandais du coup si Gitsune jouait à Skull and Bones, s'il l'avait acheté. C'était ça que je disais. Salut Marado Douce, Os le Nain. Salut à toi Alba. Salut GG. J'attends le monstre marin. Ah, il va d'abord falloir que j'aille chercher un nouveau navire. Je suis pas niveau 6, je crois. Donc faut que j'aille chercher un nouveau navire et un nouveau canon basilic. Parce que là j'ai du couleuvrine de merde. Renvoyer. Renvoyer? Pourquoi renvoyer? C'était quoi renvoyer? J'ai pas compris. Version d'essai? D'accord. Salut Ataran. Minutes. Il faut la fête, eux. À moins que ce soit le bateau légendaire qui est un peu plus loin derrière. Non, ça a l'air d'être ici. Hein. Ah, il est pas loin, hein. Repérer ce que c'est. La Bastide. Volontaire. Niveau 10. 15G. Observez à la longue vue, interagissez avec la Bastide. D'accord. Je te poutrerai bien la tronche, toi, mais... j'ai un rancard. Ouais, il est là-bas. Hein. Je reviendrai peut-être. Bouge pas. C'est quoi ce machin? Bravo, là.
Capitaine Galvin Roche, niveau 8. Ouh, quand même. Bon alors, tu veux pas repérer ça? Bon, c'est surtout des ruines, hein. Coucou. Allez, 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 allez. Il est costaud, hein. Ouais, puis il me poutre la tronche, quelque chose de bien. Ah la vache, tout est passé à côté. Bien joué. Ah, j'ai pas le temps de me protéger. Fumier. J'avais pas vu qu'il fallait que je me répare. Oh, il est costaud, hein, bordel. Faudrait peut-être pas que je sois tout seul pour ce coup-là, hein. Il a rien pris! Il est en train de me défoncer! Ouais! Il me défonce! Ouais! Bordel! Faut surtout, c'est que j'arrive à lui péter sa coque là avec tes trucs rouges à l'avant. Hein. Putain, je prends cher. Hein. Oh putain de merde! Je prends tout sur la tronche. Putain, il m'envoie vraiment. Faut que j'arrive à lui péter sa coque là. Ah, raté, j'ai fait n'importe quoi. Il y a deux côtés rouges là. Je me suis protégé trop tard. Il prend rien du tout. Toujours rien. Aïe. Vache, je mets tout dedans, mais... raté. Putain, il prend rien. Il prend rien du tout. Je vais vider toutes mes armes pour rien. Il prend que dalle, le salaud. Ah là là, tout est passé au-dessus. Ah, par contre, il me met tout dedans, lui, hein. Pourquoi est-ce qu'il prend rien? C'est ça le level d'un vrai bateau plus fort? Après, c'est un truc coop, normalement, mais... quand même. Ça va, on est vraiment bien protégé si on garde de la stamina. Hein. En tout cas pour l'instant. Aïe.
pas quelqu'un qui va venir m'aider là? C'est un truc. Cop! Il m'a déglingué! Il m'a hitshot le mec! Ouais! Salut Kong! Oh, il m'a déglingué! Salut Gitsun! Viens m'aider! Je me suis fait démonter, mais. Waouh! D'accord! Ouais. Non, bah on va le laisser tranquille, hein, on va pas le gêner. Hein. On va pas trop le déranger, non, c'est bon, t'inquiète. Je reprends mon stuff et je me dégage. Hein, Non, t'énerve pas, vois pas rouge, c'est pas la peine. Je prends mon stuff et je me casse. J'ai bien compris que j'avais aucune chance là. Ça tape pas assez mon matos. C'est bon? Non, c'était pas mon matos ça. Et il continue déjà à me pilonner le fumier. Je t'ai dit, je m'en vais. Et c'était toujours pas mon stuff, ok. Comme quoi. Il y a peut-être pas que moi qui me suis fait déchirer. Voilà, ça c'était mon stuff. Non mais c'est pas la peine de me suivre, je suis parti. Oh putain la vache. Putain de fumier. Je te défonce. Ouais, c'était inutile. Nul. Zéro. Putain, j'arrive même pas. Putain, mais il a une vitesse de frappe. Oh, le fumier. Waouh. Comment il m'a déchiré. Et voir, il y a quoi là? C'est une île ici. Il y a un coin que je connais pas et en plus ça permettrait peut-être de me réparer. Oh la vache, comment il m'a déchiré, j'ai rien eu le temps de voir. Ouais, vu les petits plots là, c'est qu'on a le droit de s'amarrer. Bon alors, tu me le trouves? Ça y est. Voilà. Waouh. Ah d'accord, il y a quand même des bateaux qui sont un peu plus puissants. Hein, Ouais, j'allais me refaire couler, c'est pour ça que je me suis barré. Je viens pas t'aider, j'ai un petit bateau. T'as le bateau de pêche encore? Ici coule Telinx, il a fini en nourriture pour poisson. Pour poisson rouge même. Bon. Ben, on va arrêter de faire les cons avec des navires trop haut level, comme quoi on tombait vraiment sur des IA débiles, hein, les autres fois, parce que j'arrivais à survivre. Voilà, en même temps, j'ai réussi à survivre. Il m'a vraiment pété en deux, en me coupant en deux, techniquement, hein, tout simplement. J'ai rien eu le temps de faire. Alors, toi aussi, t'as une mission? Vas-y, cause. Ah, niveau 8. Ouais, bah c'est pas encore le moment. À plusieurs océans de distance. Bon, j'aurais peut-être dû lire son truc. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ce que t'as à vendre. Ouais. Acheter. Oh, c'est quoi ça la monnaie? De cendres éthérées. Je croirais dans Assassin's Creed. Ah, le costume, il a l'air sympa en plus là. C'est quoi ça? Spectre bleu. Arme infernale d'origine mystérieuse, émet des flammes bleuâtres à des températures délirantes. Matière première requise, 25 cendres, 5 essences, forêt de précision, caoutchouc, souffle de la vouivre, ça j'ai, 4600 balles. Waouh, ok. Oui, mais non, en fait, non. D'accord. Vaut mieux ça que pisser des pièces et chier du grog, mais bon. C'est un autre débat. Alors lui, visiblement, c'est un mec qui a joué à cache-cache et qui a gagné. Bon, bah tant pis, hein.
J'aime pas leur zone labyrinthique, c'est chiant. Oh, une vase. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a aucune valeur. Qu'est-ce Les que tu veux, produits toi? sont tous de première fraîcheur. Ouais, sauf que je m'en fous, mais... Attends, Retournons tous. Vas-y, parle. Tout est Merci. fabriqué par des artisans experts. Je peux toujours pas vendre mes colliers de machin, là? Ils en veulent pas. Puissent les bagues caresser votre étrave. Bon. Ok. Gitsune, une coquille de noix, ouais. Alors. Ouais, là il y a le feu. Là il y a autre chose ou pas? Bon, il y aura sûrement un trésor là-dedans. Quand j'aurai la carte. Alors j'ai eu l'info, apparemment. Enfin, j'ai eu l'info. Je relaye l'info, entre guillemets. Apparemment, il y aura bien des gros bateaux sur le jeu. C'est prévu. Et apparemment, ils sont en train de fignoler ça. Ils veulent surtout y sortir au bon moment. J'imagine peut-être avec. Peut-être attendre un petit peu que les joueurs aient avancé, des choses comme ça. Mais apparemment, dans la. Le truc commun. Le truc des développeurs, là, ils ont fait une. Ils ont fait un espèce de chat en live et apparemment ils auraient dit ça. Il manque Monsieur Kitsunen. Non, Monsieur Balevel. D'accord. J'ai un trou où on achète des boulets déjà chez le mec qui te fait les armes. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, je sais plus comment. Je peux pas te le montrer, ça se trouve. Merde. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est un des premiers mecs que tu vois. C'est bon, je me rappelle, d'accord. Bon, bah ça c'est vu. Bon, bah on va pouvoir réparer. Je sais pas si j'ai loupé des trucs, je crois pas. Hein. Donc j'ai vu les marchands, ils veulent rien m'acheter, ils ont rien à me vendre. Gérer la cargaison, on va balancer ce qu'on n'a pas besoin. Alors par contre, on était parti sur potentiellement mettre le canon, là je sais plus lequel en... Non, ça sert à rien que j'y vire ça. Le mortier, non justement, pas le mortier, le... Oh putain, j'ai plus les noms, la bombarde au niveau du canon central là, pour le nouveau bateau, mais je crois que je pourrais pas. Ça doit pas être le bon type de bateau. Le bon type d'arme, pardon. On doit pas pouvoir y mettre là. Et qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Gitsune? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? À plusieurs océans de distance. Naviguer jusqu'au lieu de l'apparition mystérieuse. On dit que la navire n'apparaît que la nuit. Ouais, mais niveau 8, j'ai pas le level. Et lui non plus, j'ai pas le level. Malheureusement, j'ai pas le level. Alors, je pourrais peut-être essayer, c'est d'explorer vite fait le petit coin, là. Ça serait fait. Qu'on connaisse un petit peu toute la carte. Ça va commencer d'être sympa d'avoir une carte déverrouillée et pas des gros nuages. Tu peux acheter Alba si tu veux. Bof, non. Bof. 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 C'est ce qu'il te dit, le boulet. Niveau 3, celui-là. Si j'ai le droit, hein. Merci. T'es sérieux? Quand même! Bah t'as vraiment rien d'intéressant, hein? Pour un niveau 3, c'est de la merde! Des fruits. Du basilic aussi. Ça ferait du bien à l'équipage, du basilic. Je suis où au niveau boulet? Ah oui, quand même! Ah, j'ai bien dépensé du boulet aussi, hein? Bah je vais peut-être devoir en acheter aussi. Je vais aller acheter des frères à Alba.
pense que le jeu est quand même très sympa. Bah, je trouve aussi, moi, personnellement. Et plus tu joues, plus ça devient sympa. Plus t'as envie de continuer, plus t'as envie de... d'améliorer le truc et tout, franchement. C'est franchement super cool comme jeu. Tout le monde lui tape dessus, mais pff, moi, m'en fous, je joue, je m'amuse, et puis c'est tout. Hein. En même temps, le principe du boulet de canon, c'est de faire des dégâts avec le bol de Gitsune. S'il te charge dans le canon, tu vas être catapulté et scotché à la coque du bateau comme les Garfield sur les vitres d'une voiture. Con. T'es lingue, tu m'échetteras, moi et mes frères, la nourriture à requin. C'est des appâts. C'est un appât, Alba. Bon, bah, y'a rien du tout ici. Le nain va mourir, les poissons, tout. Les nains, les enfants d'abord! Je commence d'abord à déverrouiller un bon bout de carte. Il y en a encore un paquet, hein, la vache. Quand tu te dis que la lilla, c'est ce que j'ai fait dans la bêta et que ça... Bon, ça t'occuperait pas des heures, hein, mais c'est déjà... Enfin, ça peut t'occuper des heures quand même, mais... C'est pas incroyable. Mec, du coup, c'est qu'une minuscule partie. Je pense que ça va s'étendre. Je vois pas une carte coupée comme ça. Ça va forcément s'étendre. Mon avis, au moins en ligne droite déjà. Après, ça dépendra peut-être si le jeu fonctionne ou pas. Ah merde, j'ai pété des caisses. Une carte stellaire. J'en ai marre de vos cartes stellaires. Bon, maintenant qu'on a réparé, on va pouvoir partir au nord chercher un nouveau bateau. C'est quoi vos cartes là? Qu'est-ce qu'ils disent? Un croquis de la constellation des poissons. Moi, moitié. Objet de contrat. Ouais, mais de contrat, si j'ai pas de contrat. On... J'ai bien l'impression que là-bas il y a une ville. Hein. Niveau 5, niveau 10, d'accord. Voilà, je l'ai eu. Village Saint-Amélie. Voilà. Allez, on remonte. Et on part chercher les plans. Nouveau bateau. Double du canon. Et il me faudra peut-être un autre canon pour pouvoir mettre au centre. Je sais pas, on verra comment ça marche. Niveau 9. Planche de cœur vert. T'es vraiment con, toi. Hein. Ouais, il m'a déglingué. Waouh, je suis en protection, il m'a déglingué. Da fuck. Da fuck, comment il m'a pété la tronche? Il s'est même pas retourné, le mec. Il m'a explosé, et puis tiens, au revoir. Ouais, d'accord. Eh, c'est la fête, aujourd'hui, je me fais déchirer. D'accord, bon, c'était un niveau 9, j'aurais peut-être pas dû, hein. J'ai peut-être un peu insisté là. Non, non, préparez pas les armes, je m'en vais. Je m'en vais, j'ai compris. Hein. Je me suis fait péter la tronche deux fois, je vais arrêter les niveaux au-dessus. Ah, et d'accord, il arrive à me toucher sans me toucher parce que le boulet y était pas. Hein. Ouais, ah oui, d'accord. Wouah, la vache! Wouah, la vache! Mais sans déconner, calmez-vous! Mais ils me font des hitshots! Wouah, sans déconner! Mais non, mais faut vous calmer 5 minutes, là! Mais c'est pas possible! Me fait déchirer en 3 dixièmes! Foutez-moi la paix 2 secondes! Puis me remettez pas un navire à côté de moi, quoi!
Bah si, quasiment. Waouh, non mais les niveaux 9 et puis les tourelles là, je sais pas, elles sont combien niveau des tourelles? 10? Pourtant j'ai battu des 12, les doigts dans le pif. Hein. Allez hop, j'ai déjà récupéré mon matos, on se casse. Ouais, mais comment je me suis fait démonter? Alors, ouais, il y a là que je suis pas allé. Je vois qu'il y avait un truc à côté là. C'est visiblement trop loin. Ah, il me l'a détecté. Par contre, là-bas, je sais pas ce que c'est. Bon sang de bon sang. Pas comme ici, je suis trop curieuse. Elle bat la part. Tour, ouais, c'est cool, mais. Ah! Ça y est, je l'ai. Magnétite, non. Ah, voilà, Siri. Arrête-toi. Voilà, ça c'est bon. Ça, j'y suis allé. Bah voilà, tout est fait ici, hein. Bon, par contre, je vais devoir retourner à la maison pour réparer tellement je me suis fait éclater. Ou alors peut-être aller à un endroit où il y a une quête secondaire, comme ça j'y vais pas pour rien. Et du coup, ma mission, c'était d'aller où, là? C'est d'aller là-bas? Sur la toute petite île? Mer des épaves. Ok. Il faudrait que je regarde aussi, c'est mes cartes au trésor. Mes cartes au trésor. Alors. Infiltrer, hein, bien sûr, avec un coffre, mon seul choix est de faire route pour l'escale nord de Fort Louis. Désormais, je cherche de nouvelles terres et les merveilles qu'elles renferment. Au nord de Fort Louis. Fort Louis, j'y suis allé, donc je dois savoir où est-ce que c'est. Fort du Lys, Île Royale, Fort Louis, c'était pas là-bas. Grand fort. Fort Louis, je l'ai attaqué, non, Fort Louis? Alors, il faudra que j'en profite pour aller là-bas. Sans m'exposer un truc, s'il vous plaît. Papa. Un telinx démoli façon steak. Je vais le tirer à coup de marteau à la grande curieuse. Tu vas chercher de l'encens? Ouais, c'était un peu chiant ça. Faut trouver la route qui t'en donne. Fort du Lys. Bastide, où était Fort Louis? Alors, Fort Louis, ça doit ressembler à un fort, non? Fort Louis, Fort Louis. Donc ça c'est une ville. C'est ça les forts. Hein. Grand fort. Ouais, faut s'éloigner vite. Pourquoi j'ai obtenu un espèce de butin coop? J'ai pas compris, il y avait un logo bleu. Bon, j'ai pas demandé mon reste, hein, mais... Alors, légèrement à gauche, ouais, ça doit être là-bas dessous. Salut, ma wing! Bon.
Ma mission, aller chercher un beau bateau et des canons, est un peu partie en sucette. Wow. Ils ont des voiles rouges là-bas? On dirait des corsaires. Alors, qu'est-ce que t'as comme mission, toi? Il est sur la plage, non? Ouais. Que j'y passe pas 3 heures. Oui. Alors, mission répéta, mais il y a la vie après la mort. Diana est venue. Pour connaître la culture de notre population, venez, Captain. Ok, une carte du cimetière du peuple de la mer. D'accord. Je sais pas ce que c'est que ça. Merde, je voulais justement... Allez. Allez. Bonjour. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, ça par contre, je pourrais peut-être acheter des côtes de bateau. Poste de premier soin, plan déjà acquis. Gamba Kobe. Gamba Kobe, plan de protection. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Kit de réparation 2, canon long 2. C'est pas mal non plus, ça, on va prendre. Hein. Ah, plan déjà acquis, plan déjà acquis. Pas plan acquis. Misao. Misao. Bah on va te vendre tout ça. Hein. Ouh, 3000 balles. Pardon? Ah, j'avais pas vu que ça, il le voulait. Ça doit être une nouvelle mission que j'ai chopée, je sais pas où. Bon. Celle-là, je l'ai. Je vais aller réparer, transférer au bateau. On va peut-être aller chercher un gros bateau tout de suite. Hein. Mais j'aurais bien voulu trouver fort machin là. Ça, c'est des avant-postes, les trucs comme ça. Où est Fort Louis? Je l'avais vu, Fort Louis, pourtant. Fort du Lys. Escorte. Je voudrais bien rejoindre, mais le problème c'est que je sais pas si j'ai le level encore. On va faire en sorte d'aller chercher un niveau 6 là. On va faire en sorte d'aller chercher un niveau 6. Allez, vas-y. On se casse. À réparer, gérer la cargaison. Oula, oui. Plein de bordel. Équipe de réparation 3, on va garder. Carte au trésor du cimetière, ça c'est ce qu'on m'a donné. Donc si c'est ce qu'on m'a donné... Qu'est-ce que l'on m'a donné? Alors, apporter le Lambda. Lambda. La chute de Vorona. Franchement, leur texte par contre, c'est difficile à lire. Hein. J'aime pas ça. Avec les restes de notre ancêtre soigneusement enveloppé, récupérer les offrandes avant de revenir vers nous. Nos ancêtres feront le tour de l'île rouge comme ils faisaient de leur vivant. Je sais pas à quoi ça ressemble cette carte. Il y a un morceau d'île qui dépasse. Ça me dit rien de spécial. Ça non. Ouais, je sais pas. On va pas se prendre le chou, on va se barrer. Remuez-vous un peu, canaille. Et on va mettre la bonne mission. Qui est d'aller chercher... Ah, d'accord. Carte au trésor. Ah, il m'a viré mes plans que je cherchais, d'accord. C'est pas emmerdé. Bien. Et bon, on va y aller quand même. Je viens de finir de regarder ton dernier Life Snow, c'était bien avec les 4. Ouais, c'était pas mal, c'était un peu compliqué. C'était pas les meilleurs véhicules, hein.
ben, je vais boire un coup, parce que là, on en a pour un bout de temps d'aller là-bas. Je sais pas ce que c'est que ces bips là. J'arrive pas à comprendre. J'ai oublié d'acheter des boulets. Oh! Un peu court. Au revoir. Par contre, ouais, j'ai pas rechargé beaucoup de boulets de canon. Il va falloir que je fasse gaffe, moi. Bon, de toute façon, l'objectif, c'est d'aller chercher des plans et de rentrer pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, mais... Faut pas que je joue au con. Faudra aussi, peut-être, c'est que je me trouve une espèce de village ou de marchand, là, pour refourguer potentiellement ce que j'ai sur moi, que j'arrive pas à vendre. Je sais plus où est-ce que c'était le fameux camp, ça devait être là à peu près. Le fameux endroit où je peux acheter les trucs, quoi. J'en ai pour deux plombes. Par contre, je vois que ça, ça ressemble exactement à mon truc, donc peut-être que je vais pouvoir acheter des boulets, tout ça, c'est peut-être un autre camp. C'était pas prévu de lutter contre le vent. Je vais pas lui tirer des boulets de canon dessus. Hein. J'hésite à potentiellement aller quand même directement au point de livraison. Et de fait, avoir une zone pour déjà me téléporter, ravitailler, tout ça. Est-ce qu'on va se farcir des accélérates? Non, il y a un gros bateau. Et un gros corsaire. Faites pas les malins trop longtemps. Bon bah pour l'instant, à part me faire défoncer, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Comme j'ai fait des missions avec le GMC 9800, c'était pas le meilleur non plus. Ah ouais non, clairement. Ouais, quoique, à côté d'un... Dans 770G, je pense que c'est discutable. Niveau 9, hein. Oui, d'accord. Non. Non, non. Parce qu'en plus, j'ai pas assez de boulets pour m'amuser à jouer au con. Donc, on va passer à côté. Oh là 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 là. Ça donne tellement envie de les défoncer, mais je suis sûr que c'est des niveaux 10. Ah, c'est agité ici, hein. Bon, c'est clair que c'est pas très très bien fait. Moi, hein. Oh, je suis en train de surfer. Youhou! Ah, il m'a vu. Il m'a vu, hein. Elle est niveau 10, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Bon, je me fais tuer par qui lui ou... Ah, et en plus, c'est une mission, ça.
Bouteille de drum. Ouais, bah oui, ils avaient dit que c'était niveau 8 hein, qu'il fallait être, je crois. Regardez la vague accélérate. Ah, c'est ça une vague accélérate. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Je me suis fait défoncer toute ma défense en laissant appuyer le bouton. mètres. De rien, j'avance quand même, hein, mais il y a un léger boulot. Hein. Et après, faudra aller se taper le monstre là-bas, si c'est bien un monstre, au lieu de l'apparition mystérieuse. Niveau 9 encore. Hein. Oh, c'est quoi ce bateau? Prince William, marchand. Ils ont même pas de canon sur le ponton. Encore un marchand là-bas. Ah, par contre, ils sont en train de se battre là-bas. Un renégat. Avec des torpilles qui partent plus loin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Niveau 8. Je peux pas, ils vont me démonter. Puis alors, les vagues, elles me balancent partout. C'est un peu risqué la traversée là. Hein. Les vagues scélérates, faut les prendre de face, de côté, tu coules en toute logique. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Salut, Tall Gamer, ça va et toi? Bon, je me suis fait poutrer deux fois gratuitement, mais ça va. Lui aussi, il va me tuer. Bon, comme je disais, on va peut-être aller valider la mission quand même, parce que 12 000 mètres, 9 000 mètres, ça serait pas mal de sauvegarder, d'être à un point, trouver un point de chute. Ouah, mon bateau, il est en train de partir dans l'autre. Ah, faut pas qu'il me tire dessus, lui. Hein. Ah, on va peut-être atteindre le fameux arbre là, je sais pas quoi, le truc qui est un peu gros. Qu'on a vu sur toutes les cinématiques ou toutes les présentations du jeu. Ah, c'est la tempête, ouais. Tempête plus. Plus grande mer là, si on peut dire, je sais pas trop comment appeler ça. Je suis parti un peu loin là de chez moi. Hein. Mais je vais chercher un gros bateau à construire. Si j'ai de quoi le construire, je sais même pas. B de retour, un avant-poste. Je vais me retrouver dans l'autre bateau, moi. C'est ce que je dis. Ouah, il fait demi-tour, mais t'es complètement con. Pourquoi tu vas pas tout droit? Mais t'es complètement débile, toi.
Ça va, il m'attaque même pas, heureusement. Le mec, il fait demi-tour en plein milieu, au moment où je fais demi-tour, moi. Niveau 10, ah oui, quand même. Tant qu'on y est, on va fouiller ce camp-là vite fait, hein. On fera une petite pause dans la promenade en maritime là. C'est un peu longuet du coup. Hein. Et vu que je suis trop bas level pour faire quelques fights, je m'ennuie. La gloire est votre destin. Contrebandier. Oui. Oui. Alors des boulets. Bombarde. Boulets de canon. T'es limité à 3. Donc tu vas me donner 30 boulets de canon là, c'est ça? Ouais. Les bombards, je crois que j'en manque pas plus que ça. Le reste, c'est ok. C'est quoi ça? Kit de réparation amélioré 3. Waouh, d'accord. Je savais pas que ça allait jusque-là. Kit de réparation 3 tout court. Tenez bien votre lot. Des Vakoa. J'ai trouvé du mortier, mais je n'ai pas de mortier, c'est dommage. Les affaires vont marrer. Montrez-moi les opportunités de ravitaillement disponibles. Ouais, vous êtes gentil, mais... C'est pas ce que je suis en train de chercher en somme. Des torpilles. Par contre, c'est assez catastrophique, c'est mettre le personnage dans une position si tu veux faire une photo. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait? Pas grand-chose, hein, le feu de joie allumé. Ah bah en fait j'ai fait le tour sans faire exprès, là je suis revenu. Nous allons bientôt partir. La mer va réclamer son repos. Je t'ai déjà parlé toi. Hein. Je t'ai déjà parlé, j'étais pas sûr. Vous avez intérêt à ne rien dire. Kay, les tavernes résonnent devant vos pièces. Putain c'est chiant, beau chemin. Je sais plus exactement où ils sont. Par là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on dégage ? De réparation 1, ça dégage. Mortier. Voilà. Eh ben allez, on se casse. Bon.
massif de Logam. Je sais pas trop par où je contourne. Là, il y a un village. Ça me paraît clair. Pourtant, ça me met pas de zone inconnue. Ce que je fais, je passe par au-dessus ou par en-dessous? Je pourrais peut-être passer par en-dessous et puis après revenir par là. L'ambiance sonore est pas mal, elle mériterait d'être un petit peu plus, peut-être, je sais pas, peut-être un chouïa plus balèze pour vraiment t'immerger, mais est-ce que ça serait pas un peu abusé? Pas facile. Elle est grande la carte, y'a de quoi faire. Bah y'a de quoi se promener, je sais pas s'il y a de quoi faire. Quand tu regardes, hein, j'étais principalement là-dessus. Je suis allé un petit peu me promener là-bas la dernière fois, je crois. Là aussi, c'était juste avant. Et là, je pars dans les rochers. Non, je vais partir par là. Côté droit, la grosse zone que j'ai pas fait du tout. Les marins parlent d'une bête au large de la troupe. Ils disent que seul un tir de baliste peut en percer. Un tir de baliste, mais j'en ai pas encore de baliste. Ni de balistère. Et j'ai pas non plus d'arme à roulette. C'est pas de mission du tout. Enfin si, c'est la mission de la barman là. Fallait que j'emmène une lettre à sa copine, je sais pas quoi, comme quoi elle est encore plus addict qu'elle, je sais pas quoi. Et du coup, j'en profite pour aller me chercher des plans pour avoir un nouveau bateau, une arme que j'ai déjà, mais pouvoir me mettre une deuxième, parce que d'un côté, j'ai un peu de la merde. Donc, on va voir si on trouve d'autres choses en passant, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. Je pensais pas que ça redescendait aussi bas là. Ah, vas-y, bouffe, parce que j'ai envie de regagner vite fait mon endurance, j'ai autre chose à faire. Ah, c'est un joueur, tiens. Et ça là-bas aussi. Ah. What the... Bordel. Ah oui, il l'a déchiré direct. Oui, je l'ai eu. Bon, je suis vraiment un enfoiré. Hein. Je leur ai vraiment piqué leur kill. C'était assez lâche. J'en conçois. Tu fais un peu de ferme pour mettre ton bateau. Carrément, changer. Carrément. On va essayer d'avoir un truc plus gros. Je peux te donner une baliste? Pourquoi tu peux me donner une baliste?
Comment ça? Nous sommes touchés! Une bordée, capitaine! Mais non, il va pas nous atteindre. Nous venons en paix! Si je pouvais surtout... Non, je peux pas interagir avec, du coup. T'es con, ça. Un navire ennemi ! Ils ont dû demander des renforts ! Dommage, j'aurais peut-être pu leur vendre leur espèce de collier, là, que je sais pas quoi en foutre. C'est quoi cette chose, capitaine ? Société marchande Batave. Une occasion en or, tu tends les bras, capitaine ! Alors, où qu'on est? Eh ben... Pardon? Espèce de lâche pendant que je regarde pas. De là que ça prostitue. Je crois que c'est pour moi. Je crois que cet humain cherche à communiquer. Ah oui. Je confirme, cet humain cherche à communiquer. Pourtant, je vous ai rien fait, hein. Par contre, les boulets qu'il t'envoie, ils ont l'air massifs, hein. Tu veux vraiment jouer, toi? Tu veux vraiment jouer? Ah ouais, sauf que c'est moi qui... C'est avec moi qui joue, là. C'est avec moi qui sont en train de jouer. Je suis le rocher, là. Ouah, je me suis déjà... What the fuck? Ah ouais, non, non, tire-toi. Ils m'ont explosé en deux tirs. Je peux rien faire. Et j'ai 76 secondes d'attente pour réparer. Fuck, comment ils m'ont déglingué! Ça y est, j'ai réussi à m'en aller. Et j'ai pas un kit que j'ai le droit d'utiliser? Non, j'ai plus rien. Pied de biche 2. Ah, feuille de verre, cacao, muscade, ça pourrait peut-être être sympa. Des ressources que j'ai pas. Oh là là, lui il va vouloir me tirer dessus. Non, ça y est, il me tire pas dessus. Ouais, d'accord. Ouais, c'est le même que moi, lui. Hein. Les deux, c'est les mêmes que moi. J'arrive pas à le marquer, c'est un joueur ça qui arrive pas à le marquer. Beats traverseur. J'ai pas compris. J'arrivais pas à le marquer pour savoir ce que c'était. Capitaine, c'était bien de répondre. Capitaine, allons piller cet endroit. 1400 mètres. Ah bah ça y est, on commence d'arriver là, dis-moi. Ça commence de sentir bon cette histoire. Feu de joie pirate. Et voir, est-ce que la Syrie, je peux en faire quelque chose là de mes trucs, les vendre ou pas? Tant que je suis de passage à côté. Ah bah c'était long. Hein. En gros, c'est dommage qu'on ne puisse pas partager les plans avec d'autres joueurs car j'ai des plans de baliste alors que j'utilise pas. Ouais, il paraît que même dans les missions coop, apparemment on peut pas. On peut pas se partager les plans ou se les donner parce que.
Il n'y a que celui qui a lancé la mission qui peut le tenir ou le garder, je sais pas quoi. J'ai une vidéo sur le PVP qu'il faut que je regarde, voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'ils expliquent. Pour voir un petit peu qu'ils me disent ce que c'est, parce que j'avoue que le PVP, j'ai pas saisi. Ah, je pourrais réparer, tiens, tant que j'y suis aussi. S'il y a une mission, on va la prendre. Bon, par contre, c'est un peu loin de chez moi, si je retourne à mon autre camp... Enfin, un peu loin, mais on va voir, peut-être qu'il me vend des trucs. Après, la baliste, je crois que j'ai le plan. Hein. C'est juste que je l'avais pas, c'est tout. Hein. Je l'ai pas acheté. Mais j'ai pas mal de choses. Bah, t'inquiète, j'ai bien avancé quand même. J'ai vraiment un petit peu de tout. Structure défensive construite récemment dans la région ont perturbé le réseau commercial des contrebandiers, détruisent les tours de garde dans les Indes orientales pour permettre au commerce illicite de se poursuivre sans contrainte. Ça fait trop longtemps que ces tours sont un vilain caillou dans notre chaussure. Ouais, ça va, vous êtes pas trop fait chier pour les... Ah bah ça marche, et ben bonne nuit à toi Kitsun, à la prochaine. Où est-ce qu'il a appris à négocier comme ça? Il doit falloir un bon niveau pour attaquer cette île fortifiée. La ref est excellent. Qu'est-ce que je trouve là? Merde! Kit de réparation amélioré, c'est pas grave. De toute façon, j'essaie d'acheter tous les plans dès que j'en vois un. Bois raffiné, matière première, tout ça. Ça, j'en ai besoin. Pff, ouais, je peux pas vendre grand-chose. Si, cacao et ça. Je sais même pas si les matériaux défectueux, je me rappelle plus s'il faut les vendre ou pas. J'en ai 119 dans mon entrepôt, 5 sur le bateau. D'accord. D'autres clients nous appellent, nous sommes sur le départ. D'accord, il y a une route qui monte. Des roquettes. Faut que je construise un RPG, j'ai des roquettes. Oh putain, mais vas-y, ça s'étend dans tous les coins, c'est joli, mais... Je vais me perdre, je vais rater des trucs. Ça fait des semaines que je ne mange que des pissangues. La timonerie, je m'en fous. Salam, Captain. Nous ne resterons pas longtemps ici. Alors, si vous voulez faire du commerce, ne traînez pas. Vos ennemis? Vous êtes pirates pourtant. Vous tuez pour de l'argent. Tout le monde peut être votre ennemi. Moi-même, je peux être votre ennemi. Tous ceux avec qui je commerce pourraient chercher à me tuer. Ah, quelle vie. Mais j'en ai pris mon parti. Alors, d'ici à ce que nous nous battions, profitons ensemble de ce moment de paix. Ouais. Acheter matière première salpêtre brute. Ouais. Pff. J'ai rien à vendre de spécial, je me fais chier depuis tout à l'heure parce que j'ai pas coulé un seul bateau. Vu que je tombe que sur des gros et que bah, pour la plupart ils m'ont défoncé. Ça c'est par là d'où je venais, donc j'ai fait le tour. Donc il restait la route à aller, la route qui allait là-bas en face. Avec le pont. Et ça mène au feu. Encore des roquettes. Eh, c'est le pays des roquettes ici. C'est tout. Allez, on dégage.
Alors, 42 roquettes quand même, alors que je m'en contrefous. Enfin, ah ouais, non, je les ai toujours sur moi, ces trucs-là, mais personne n'en veut. Hein. C'est dingue, personne n'en veut de cette saloperie. Les cartes, c'est pareil, personne n'en veut. Je sais pas quoi en foutre, où est-ce que je peux vendre tout ça, hein. Allez, 1000 mètres. On y est en 2 minutes, même pas. Enfin. Par contre, je n'existe pas sur la carte. Je suis ici, mais j'existe pas. C'est quoi ce délire? Putain, ils m'ont oublié. Ils ont oublié de me recréer, c'est con. Putain, c'est ici qu'il faut que j'aille. Ah, le terrain est assez différent. Hein. Mais bon, c'est pas la folie non plus. Hein. C'est agréable de retrouver la terre. J'en avais assez. Ah, j'ai qu'un mât. Hein. Celui-là, il en a deux. Hein. C'est un quoi, celui-là? Un pas des Wakang. Hein. Mais c'est pas ce que je vais faire, moi. Oh, la belle tenue rouge. Pas mal. Hein. Alors. C'est chouette, ici. C'est sympa. C'est assez chouette, j'aime bien. Par contre, va falloir que je m'y retrouve. Alors là, il y a une quête. Peut-être la prendre. Faut que j'achète des boulets aussi. Restez un instant. Mon oiseau et moi aimerions savoir ce que vous avez à votre bord. Vous resplendissez autant qu'une perruche qui vient de se lisser les plumes. Vous avez trouvé la chance en haute mer? Non, la chance aujourd'hui, bof, bof. Mais pas avec tout le monde. Pas assez grand pour être sur la carte. Du dieu de la mer. Comme moi, l'argent aime se réfugier dans mes poches. Oh, flûte, pardonnez-moi. Je m'appelle Melati, je m'y entends en marchandises de qualité. Et ce reflet d'argent dans vos yeux me dit que vous avez aussi un regard d'aigle. Et puis, mon oiseau m'a dit que je devrais vous prendre comme partenaire. Il ne s'est encore jamais trompé. Bon, sinon, il t'a dit que t'étais chiante. Nous voilà sous le signe de l'amitié. Demande à ton oiseau parce qu'on s'en fout de ce que tu racontes. C'est bon? Ah bah. Poudre Melati, merde, j'aurais dû lire. Goûter au bienfait de leur terre. Vous ne trouvez pas? Tu fais bien ce que tu veux. Vos marchandises seront toujours les bienvenues ici. Ne l'oubliez pas. Personne ne veut m'acheter mes conneries que j'ai. Hein. Y a de quoi tout faire ici. Ouais, y a le mec, marchand de provisions, menuisier, forgeron, y a tout. Hein. Ils ont tous des contrats et ils sont tous là. Donc je vais pouvoir créer un nouveau bateau. Ici. J'ai pas besoin de retourner à l'autre, donc ça c'est cool. Alors. Bienvenue, capitaine. Bon, sauf si je veux affronter le monstre, là, je suis un peu loin. Attendez. Ne me dites rien. Oh, c'est de l'eucalyptus, du genévrier. Je l'ai reconnu. En même temps, tu fais le lenteur de tapis. J'ai un orteil en bois, vous savez. Je fais le tapis. Souvenir d'un crocodile lorsque je coupais du bois pieds nus. Un sacrifice. Ça ne me gêne pas d'être un peu en bois d'ailleurs. Ça me rappelle qu'on ne fait qu'un avec les arbres. Vous y croyez, vous? Bien sûr. Oui, un pirate. C'est de la bonne, hein. Savoir qu'il ne fait qu'un avec le bois, la mer et le vent. Et je suis sûr que vous avez remarqué que moins on emploie la barre, plus un navire se dirige tout oui. seul. Oui. Quoi qu'il en soit, ce t'es genre chiant. De choses est facile à comprendre. Non, c'est pas ça. Avec l'aide de nos amis les graines de pomme. Ouais, super. Quand je repousse le fin voile de l'illusion, je peux ressentir le bois. Chaque fibre est comme un million de petites lucioles qui me titillent les doigts. Oh, tu m'as fait peur.
Excuse-moi. Mais en attendant, tu me fais déjà peur, quoi qu'il arrive. Revenez quand vous aurez besoin d'insuffler de la vie à votre navire. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, Steven ne travaille qu'avec les matériaux les plus nobles que la SMB possède en quantité. Voler de l'huile de bois à la SMB. Et c'est quoi que... Le bois mérite oui, le respect. Sans déconner. Et le meilleur moyen de le respecter est de lui offrir la meilleure qualité d'huile. D'accord. J'ai oublié de regarder, c'est ce qu'il proposait comme... J'ai vu un truc qui ressemblait à un mortier. Alors, je peux fabriquer la pioche 4, hein, la scie 4, ça passe tout pile. Ouais, sable de moulage, si je veux le pied de biche 4, je vais me le prendre. Avant de plus en avoir. D'accord, c'est ici. Pioche 4. Pioche 4, je peux. Bon, en même temps, il me sert pas à grand chose pour l'instant. J'ai pas trouvé que c'était fou d'utilité toutes ces conneries. Hein. C'est pas. Qu'on soit ça quand même, bon, le reste on s'en fout. Eh oui, c'est moi. Ensuite, forgeron, il a une quête. C'est assez stylé ici, je trouve, le campement, il est pas mal. Il ne faut pas traîner ici, Ikantari. Laissez-moi deviner, qu'est-ce qu'il vous faut? Des cuillères? Des clous? Ou alors une cloche pour votre vache préférée? Je plaisante. Je sais qui vous êtes. Votre nom il partage. Comme une bouteille d'Alac sur les... Fait tourner, gros. C'est d'ailleurs un véritable exploit, et je ne suis pas facile à impressionner. Quel est votre secret? Je sais flairer l'argent. Vraiment ? Alors peut-être que mes boulets de canon en or vous intéresseront. En or ? Ne vous vantez de votre richesse que si vous cherchez à la voir disparaître de vos bourses. Vous avez de l'ambition, je le reconnais. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui peut fournir l'avantage crucial au combat. On m'appelle Bagou Saputra. L'amiral et la population de Telok Benjara comptent sur moi pour leur sécurité. Ils sont comme une famille, et je les défendrai à n'importe quel prix. Si vous comptez rester ici, je ne peux pas vous laisser naviguer avec de vieux canons rouillés. De quoi j'aurai l'air? Venez, la forge est prête. Mettons-la au travail. Putain que c'est chiant alors que discours là, on dirait que c'est la première fois qu'on vient dans un truc. Ouais, donc c'est bien, mais ça change pas grand chose. Une baliste, j'avais de quoi en créer une, je crois. Hein. Torpille. Mortier, roquette. Alors, roquette. Possédez pas le plan requis. Ouais, y a vraiment plein de plans qui me manquent. Hein. Baliste, c'est ici. Ah non, j'ai pas le plan de la baliste. J'avais cru, mais non. Je sais pas où il l'a chopé, Gitsu, non? Alors, Bagus Lorne sur un stock de munitions de la SMB. Voler des munitions à des navires de la SMB pour le forgeron. Il faut du temps. Ces prétendus capitaines Batav ne méritent pas leurs armes. Prenez les leurs. Je leur trouverai demain. Je commence à vous acheter et vendre. C'est quoi acheter et vendre? Bah oui, si, il me faut des boulets. Eh oh, boulets. Allez, réponds. Acheter et vendre. Ah si, ils vendent aussi des... Merde! Putain, je voulais pas l'acheter. Caisse de projectiles de baliste. Mortier 1. Ah ça, ça m'intéresse. Feu marin. Culverine 4. Écorce de fer 4, vas-y, fais péter tout ça. Baliste 1, bah tu vois, voilà. Je l'ai, mais par contre, je vais vider la moitié de mon pognon. Allez, qu'on vienne pas pour rien. Par contre, j'ai rien à vendre. Ensuite, là-haut, le... Raffinerie, avec ta mission. Voilà une autre future carcasse. Désolé, je n'ai pas vraiment le temps pour le décorum. Peut-être n'ai-je que 21 ans, mais j'en ai vu bon nombre des horreurs. Une fois, le crâne de mon capitaine a éclaté à côté de moi. J'en ai avalé des morceaux de cervelle ce jour-là. Et maintenant, je suis ici. Le seul endroit où je ne sois pas hanté par l'éternel retour des tragédies. Et comment se passe votre voyage vers la mort, à vous? J'y suis admirable. Passé deux, trois fois aussi. Non, mais admirable. Mais moi, j'ai J'étais continué. Pareil autrefois.
Maintenant, regardez-moi. Un oiseau de mer déplumé qui compte ses amis perdus. Bref, vous savez ce que je fais. Je trouve des choses et j'en fais les meilleures choses que vous ayez jamais vues. Chouette. Il faut travailler car l'on compte sur moi. Dommage, comme on dit. Eh oui, je suis coincé ici, pour mon malheur. Alors, Olivier peut faire des merveilles avec le cuir, mais n'a pas l'instinct d'un chasseur. Donc, il faudrait que j'aille en boutre en niveau voyage, 6 quand même. N'allez pas vous. Ok, j'en fous. Hein. Vous êtes assez long en blabla. Des fois, c'est intéressant, des fois, c'est chiant. Olivier pense que des biens précieux se cachent dans les épaves. Récupérer des marchandises pillées dans des épaves pour le raffineur. Ok, limite de contrat atteinte. Oh non, il y a une limite de contrat stockée. Ça veut dire que je peux même plus en choper tant que j'en ai pas fini ou que j'en vire pas, ça se trouve. Ah, ça c'est con. Ah, ça c'est très très con. Alors, elle est là-bas, elle. C'est qui, celle-là, résidence de Rama? Ouais, ça doit être celle qu'on a vue aussi dans les trailers. Ah, c'est très très con, c'est une limite de stock. Ça veut dire que je fais quoi, moi? Allez. Il y a des nouvelles. Ne me faites pas attendre. Ok. Je n'aime pas bavarder, alors je serai brève. Si vous voulez oublier votre accas dans la sérénité. Elle ressemble beaucoup à celle de... Nous avons le meilleur opium de tout l'océan Indien. Mais si vous venez créer des ennuis au lieu de les faire disparaître, sachez que je n'ai aucune patience. Alors choisissez votre illusion, mais ne vous éternisez pas. Les rêves tournent tous au cauchemar. Et c'est l'ermiton. Navigage Kateluk, donc sous-maître. Merci. Oui. Tu vas me causer ou le jeu a craché? Adieu. Alors c'est moi ou la mission est buggée là? Très bien. What the fuck? Je peux pas valider ma mission? Je peux pas valider ma mission, elle veut plus. J'ai validé le truc et elle en a pas voulu et maintenant je peux plus lui reparler. Les affranchis ont des ennuis. Une des leurs. Mentari est l'une des meilleures. Il faut affranchir les compagnons. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas ce qu'il faut sur moi? Si, je vais bien donner le certificat. Qu'est-ce qu'elle me dit? Donner le certificat à la témoinerie? Non, c'est tout, hein, y a que ça à faire. Merde, bon sang. J'avais pas remis un truc qui était à elle dans mon stock. Hein. Ah tiens, faut... Des munitions de roquettes et de mortier là pour un dégât. Que ça m'y met en stock. Ok, bon, rien à dire de spécial là-dessus. Ah, ça me fait chier là. Oh, il est gros ce bateau là, non? Oui, on s'en fout de ta gueule. Il a l'air un petit peu gros celui-là. Je le voyais de... Par contre, il y a toujours que deux canons en latéral. Ah non, il y a des trous. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai des trous en dessous. On dirait que j'ai 2 plus 2. Lui, il en a pas plus. Si, il en a 4 en dessous peut-être. 2 au-dessus, je sais pas. Bon, bah je sais pas quoi faire là. Ouais, je sais pas quoi faire. Bon. On devait aller par là-bas. On va essayer d'aller chercher... d'aller chercher les plans que j'avais besoin, hein, pour mon gros bateau. C'est quoi celui-là? Pas des wagons, toujours. Ah, un céno, c'est celui-là que je vais faire.
Oh, sympa. C'est celui-là que je vais faire. Bon, bah, je reviendrai après. Hein. Je vais essayer de faire autre chose et puis de voir si elle revient de mon truc. Je sais plus du tout où est-ce que c'était. Tain, il m'a pas gardé les plans recherchés en stock. Il est un peu casse-couille. Fort Arimo. C'est un peu plus haut, je sais pas où c'est. Tiens, Europe, Saint-Amélie. Je sais plus qui m'a dit de vous dire, mais vous devez faire blanchir les champignons. Les maquignons. Waouh! Il y a toujours rien dedans ou presque, mais. Ah si, c'est dans les. C'est des caisses qu'ils voulaient. Tiens, c'était dans les épaves, c'est vrai. Waouh, le fort, il a l'air quand même aussi assez énervé. Hein. Niveau 10. Bon, après, ça veut rien dire. Hein. On est dans un jeu assez. Ah, si ça se trouve, faut que je défonce les côtés pour pouvoir l'attaquer. Corsaire, niveau 10. Hein. Super. Non, merci. Je vais me faire poutrer, je sais pas pourquoi il m'envoyait déjà cette mission là, est-ce que j'ai pas assez avancé? Mais l'autre, la Scurlock, il voulait plus me donner une mission en même temps, donc faut savoir. Ah, il y a une épave là. Faudrait que je valide une autre mission peut-être aussi, peut-être que ça me débloquerait celle-là. Niveau 6, épreneur. Toi, t'as envie de m'attaquer. Niveau 10, ouais, mais j'ai pas envie de te combattre, moi. J'ai vu ce que ça donnait, je me suis fait assez défoncer pour aujourd'hui. Et lui, là-bas, il a pas l'air choucard non plus. Si je pouvais avoir mon nouveau bateau avant d'essayer de vous poutrer, ça serait pas malin. Parce que là, visiblement, ça veut pas. Il y a des ennemis partout, là. Hein. Ils veulent tous ma peau, j'ai l'impression. Ouais, il faut que je remonte un peu plus haut. Allez, un petit peu de boost, là. On va un petit peu tout droit. Et on remonte. Histoire de déverrouiller un peu la carte, aussi. J'espère que ça se passera mieux avec vous que sur d'autres navires. Mère a essayé plusieurs fois de m'envoyer. Vraiment que je m'améliore là parce que j'ai peur de tout le monde là, je peux affronter personne, ça me saoule. Niveau 6. Niveau 8. Pfiouh. Et il est bien équipé on dirait. Oh, celui-là là-haut, bon je sais que j'en ai déjà buté des comme ça mais il a l'air énervé hein.
Niveau 9, ouais. Je me sens un peu encerclé là. Hein. Déverrouiller un petit bout de carte. Relique fine. Nanana. Ouais, eux ils sont en train de me scanner là. Capitaine Anto. Antoto. Antolinx. Salut Tripuache. Alors tu feras blanchir les champignons, s'il te plaît. Caisse de munitions spéciales augmentées. Niveau 6. Gâteau du forgeron. Ça pourrait être pas mal hein, que je te bute toi. Hein. Touché. Retouché. Merde, il est pas passé. Merde, il est pas passé. Oh, direct! Dans le mât, c'est pas terrible ça. Hein. Mais sans déconner. Merde. Tant pis, je préfère assurer le coup là parce que je sais pas qui va être autour de moi. Je voulais pas trop faire joujou. Surtout que je vois que là-bas, il y a encore des méchants. Niveau 6, ça peut passer. Eux, par contre... Ah, qu'est-ce que c'est, lui? Niveau 6, quand même. Durian, poisson, caisse de boulet de canon. Vaut pas le coup, celui-là. Escargot des fleuves, bien bonjour. Je veux pas tuer le mal. Ah, un bateau, tiens. Ah, je suis à la recherche de mon nouveau bateau, là, mais ça a été compliqué, hein, ce soir. Je pensais que j'allais m'éclater, et je me suis éclaté. Mais je me suis surtout fait éclater. Pas de caisse de boulet de canon. Alors, il faudrait peut-être que j'active... Faire sauter des tours, gâteau du forgeron. 750! What the fuck? Ah ouais, le mec, il faut que je lui en récupère pendant 6 mois. Acquérir épices et cacao. Buter 2 tours de garde. Ouais, da fuck. La vie après la mort, donner tissu lamba, j'en ai pas. Grenade taillée, bon bah ça, c'est à l'autre bout. Tu veux pas me déverrouiller le petit bout de carte qu'il y a là-bas, s'il te plaît? C'est quoi, ça? Ah, c'est là-bas que je peux trouver des trucs. Voler des munitions à des navires de guerre. Ouais, mais à mon avis, j'ai un niveau trop faible. Et puis, j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il y avait mes plans. Ils me les ont pas gardés. Ils sont cons. C'est quoi, ça? Ah, Rempa, eux. Abaca fin, salpêtre brut, ouais. Prends le portail, compte voisin. Le nain requin. Bon, quand est-ce que je trouve le petit coin là que j'avais vu avec plusieurs... plans. C'était par là, non? On va peut-être repartir un petit peu plus par là, ça sert à rien que je m'éloigne trop des îles. C'est que du grand large, ça ne sert à rien. C'était le grand large que je cherchais, tiens, tout à l'heure. J'avais plus le mot.
Alors là, y aurait-il une épave? Oui, mais il veut pas me la donner. Ok. Elle est là, mais j'y ai pas droit. Il y a encore une enfant. Oh, il y en a partout là. Oh, il y en a partout. Ah, oh, vas-y, on va farmer un petit peu de secondes là parce que. Hop. Se faire les 3-4 qui sont là. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, quand même. Il est toujours là, l'autre, là-bas. Hein. Ouais, je confirme. Là, on peut rien contre personne dans le coin, donc c'est ça qui m'embête un peu. Je me suis pas beaucoup éclaté aujourd'hui dans les combats. Hein. Vraiment. Ah, une caisse de boulets là. 10 bombes de mortier, il en faut 750, ça va, j'ai bientôt fini. Ah, il y en a deux de ce côté. Peut-être être plus gros. Bah c'est ce que je tente, hein. C'est ce que je tente. Je vais essayer d'être plus gros parce que c'est vrai qu'ici. Ah, du durian, c'est pas ça qu'il me fallait tout à l'heure. J'ai vu dans une, un contrat. Encore une caisse de bombes de mortier. 390 balles, c'est bien. Ça paiera d'autres trucs. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, une petite là. Ah, plan. Contrebandier campement. Non, c'est pas un plan, ça. Mais bordel, où est-ce que c'était tous les plans que je devais choper? Il y avait un endroit où je devais choper du plan, hein. Puis savoir qu'en faire et je le vois plus. Il m'a pas affiché le bon emplacement ou quoi? Encore des bombes de mortier, c'est bien. Niveau 6, hein, ouais. Je me sens tout petit, hein, quand même. Niveau puissance de feu et tout. C'était si haut que ça qui me donnait mes plans ou alors j'ai loupé, c'est ici. Je crois qu'à mon avis j'ai dû louper, c'est pas possible, à moins que ce soit là où il y a le plan. C'est peut-être justement un camp ici et... Je suis en train de bien charger le bateau là, je crois.
vais finir par plus avoir de place avec tout ce que je prends. Ah, il y a une zone en tout cas. Il y a bien une zone. Allez, pleine balle. Ça se trouve, c'est enfin ici. Campement de naufragés, machin. Domaine de hanche. Ça me dit rien. Si, domaine de Kmoy. Est-ce que c'était ça? En plus, je vais pouvoir dégager mon stockage parce que là, je pense que j'ai bien chargé. Alors, on va commencer. Renégat victime de naufrage. Acheter et vendre. Ah. Mais non, mais j'ai même pas le temps. Canon long de réparation. Kawaka 2, mortier, feu marin 2. C'est nous, le plan de navire, merci. 10 000 balles quand même. Hein. Avec un paquet de matière, heureusement que je suis venu dans le coin. 5 000 balles, ouais, il va me coûter... Il va me coûter la peau des noix. Et surtout... Oh, bordel, j'avais pas vu tout ce que ça coûtait. Est-ce qu'il y a des choses à vendre? Pas tellement. Marchandises, si. 59, ça, il faut que j'y garde. Ça, il faut que j'y garde. Putain, il faut que j'y garde tout. Ah oui, ça se vend que dalle, tout ça, en fait. Je vais peut-être lui vendre, comme ça me videra mon stock. J'achète pour 40 000 balles de matos, je en vends pour 1000. C'est rentable, c'est rentable. Bon, j'ai le sono, j'ai pas le basilic. Pourtant, le basilic, il me semble qu'il est au même endroit. Hein. Qu'est-ce que tu m'as montré, toi? Je crois que le basilic 2 était ici aussi. Hein. Donc, faut que je vois. Peut-être ici. Contrebandier. Non, mais je m'en fous de tes trucs. Après, une fois que j'aurai le sono, je vais être tranquille un moment. J'aurai pas besoin de racheter les trucs toutes les deux minutes, mais... De ce que je vois, il me propose pas... Basilic 2 n'a pas l'air d'être dans le coin. Hein. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout fouillé, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y aurait que ça ici? Impression de ne pas avoir tout vu. Bon, j'ai pas trouvé le basilic 2. Hein. Et oui, il me manque le feu. Voilà, il doit être là-haut. Il me manque le feu allumé, donc il y a peut-être autre chose encore. Il me semblait que le basilic 2 était vraiment ici. Hein. Je croyais qu'il m'avait montré que c'était au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, il m'a affiché un texte. Alors, je sais pas qui c'est lui. Chef de guerre renégat. Cuisiner. Est-ce que j'ai une tête à cuisiner? Tombe de sommeil. Oh! Il est rare de voir un pirate départ des navires, dont je la compte sous une pensée pour... Imagine que vous n'avez pas fait le voyage pour rien. Votre navire... Naturellement. Pourquoi? Eh bien, si vous êtes là pour, ma foi, à faire tout ce que nous arrivons à récupérer... Vantez nos mérites à Yanita. D'accord, donc je peux rien faire, quoi. Ce mec-là, il me cause, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Chasse à la cargaison coupe-gorge. Bougez pas les gars, je vais bientôt être niveau 6, on va pouvoir commencer de causer. C'est tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit sur Kitsune encore? Pas français pour rien. Et il est énorme ce camp encore, ça monte jusqu'où là? Oh.
Ah d'accord, c'est le feu de joie qui s'est allumé ici là. Je suis pas sûr d'avoir encore tout exploré. Il me semblait qu'il y avait un truc qui montait là-bas et je l'ai pas pris. Non, j'ai rêvé. Alors visiblement 58 mètres contrebandier, des fois que je suis pas allé le voir. Putain, c'est chiant, on est ralenti quand on est en... Bah non, c'est plus bas. Ouais, c'est plus bas. C'est plus bas sans aucun doute. J'ai autre chose en tête aujourd'hui. Ouais, je sais, t'es chiant. Tu répètes exactement la même chose que... que l'autre mec qui était un copier-coller de toi, déjà. Alors, contrebandier, est-ce que je l'ai loupé? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Carte au trésor légendaire. C'est ça en coop qu'on peut pas trop partager, apparemment. Contrebandier d'outre-mer. C'est une de ces journées où... Capitaine. Je sais pas, tu... Oh, attaque du pavot. ...249, 119... 250 cannes à sucre. Bordel. Je faisais des convois à 25, 380. Bon, par contre, j'imagine que... faut commencer d'être au level, non? Il me prévient même pas, il me dit rien. Pop, 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 pop. Une manœuvre aussi douce que le velours. Bon, du coup, je sais pas si c'est ça qu'il voulait me donner. Contrebandier. Installer un refuge temporaire, location idéale pour tous ceux qui trafiquent. Oui, non, c'était ça en fait. Hein. Ouais, des épaves au large. Il manque toujours un petit basilic, j'aurais dû aller voir au forgeron. Grande épave. Ok. Combien ça me coûte de me téléporter là-bas? 500 balles, vas-y. J'ai plus 500 balles à aller dépenser, moi. Je vais essayer d'y aller à pied, hein. Alors, gérer cargaison, oui, faut que je vide. Faut que je me vide lesquels. Mortier, ouais, j'en ai déjà 96, je peux peut-être y ranger au cas où. Ça fera de la place. C'est quoi ça que j'ai? Bombarde, j'en ai autant que ça? C'est du délire. Bon, ça, personne ne veut me les acheter. Personne veut m'acheter mes trucs, va falloir que je valide des missions, parce que là je stocke. Allez, on va retourner au camp, on va peut-être créer le bateau si je peux, je sais même pas si j'ai ce qu'il faut. On va regarder si je trouve le basilic 2. Et puis on va essayer de se farcir quand même le monstre, parce que j'avais dit que je le ferais, je sais même pas si c'en est vraiment un, donc ça va peut-être être la vidéo de la déception. Hein. Ça serait con quand même. Ah, j'apparais toujours plus sur la carte, hein. C'est fini. Hein. Mais où qu'il est? T'as trouvé un plus gros navire? Bah, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le plan pour le fabriquer. Donc là, je viens de l'acheter, enfin. Oula, j'ai poussé un requin. La question, c'est est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? On va voir ça. Bah, j'ai mis la moitié au-dessus. Allez! On les tient, ces chiens! Mettons-les en pierre! Ils retiendront votre nom, Captain! Merde, putain! Il y a trop de vagues! Sans déconner! Ça y est! Bon, ça y est, je commence à me péter des navires niveau 6, j'ai l'impression, ça passe. Mais il faut que je sois quand même prudent parce que ça peut être assez violent. Ouais, je vois toujours pas où est-ce que je vais. Oh, pas sur eux. Qu'est-ce que t'as peut-être? Un navire marchand français vient vers nous.
Yes. Désormais neutre. Bah pourtant j'ai pas l'air. Qu'est-ce que c'est ça qui me demandait là? Chasse aux peaux. Ouais, vous m'emmerdez avec votre vieille peau là. Pas de choses à faire. On va essayer de l'avoir le bateau là, mais ça commence d'être long. Hein. T'as besoin d'une péniche. Ah ouais, ouais, il me faut un paquebot là. Avec 68 canons de chaque côté. Il me faut du massif là. Donne-moi du brutal. C'est du cyrillique. Je le prends ton bois, si c'est gratuit, vas-y. Hein. Pied de biche 2. Ah, caisse de bombarde, de mortier. Allez, vas-y. On va pas le laisser tout seul. J'ai même pas eu de caisse de munitions, il me disait qu'il y en avait même pas. Alors il y a encore un truc de l'autre côté, mais. Oh putain, ça m'énerve, je vois pas qui je suis quoi. Bah, où je suis plutôt. Ah. Oui, moi aussi je la vois à la flotte. Un village. Alors, est-ce que le village veut m'acheter des trucs? Voilà, je déverrouille un petit peu de cartes en plus. Acheter et vendre. Ah, j'ai un objet qui pourrait... Ah bah non. J'ai un objet qui pourrait vous intéresser, mais non. Je vais pas vous acheter des caisses de munitions, quand même. Faut pas déconner. Et tous les trucs là, je dois les garder. Je suis où? Je suis ici. Plutôt que de faire tout le tour par là, faudrait peut-être que je fasse le tour par là-haut. Ça me permettrait d'explorer la zone en même temps. Putain, c'est chiant, qu'est-ce que c'est long. Collecteur, caisse de boulets de canon, machin, vas-y. Ça pique, hein? Mais merde. Frappé! Ah, les convois, j'ai envie de les péter ces trucs comme ça, mais j'ai pas le level. Merde, c'est un cul-de-sac. T'en déconnes. Oh, tu me diras, eux, ils se laisseraient peut-être un peu faire. Hein. Les autres fois où je les ai butés, ils étaient pas fous. Mais bon, on va peut-être pas tenter le diable. Hein. Il va me fermer le virage là. Il va me fermer la corde là. Non, c'est bon. Allez, on s'arrache.
Ah, je suis à contre-vent là, c'est pas bon. De l'abaca. Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Encore un corsaire? Un corsaire. Lingot d'acier, une fonderie. Ok. Par contre, j'ai regardé ce que c'était. Hein. Il y a un petit peu de mal à détecter. Et ça, c'est donc gâteau du forgeron. Ah, j'ai plus de mortier, du coup, il considère que j'en ai plus du tout. Mortier, roquette, caisse de munitions spéciale ornementée, carrément. J'avais pas fait gaffe qu'il voulait aussi ça. Wow. Il commence à bien me plaire, ce jeu, à force de regarder les streams. Bah, là, aujourd'hui, c'est chiant. Aujourd'hui, c'est un peu chiant. Ça a été assez compliqué. Je suis tombé vraiment des bateaux plus forts qui m'ont vraiment explosé, pour une fois. Mais bon, je pense que... Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui ai mal fait... de venir ici, est-ce que j'aurais dû monter de level encore un peu plus, mais je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on monte de level, ça doit être les armes, le bateau, tout ça. Et sans avoir un meilleur bateau, je sais pas si je peux améliorer. Niveau 9, hein. Ouais, mais niveau 9, ouais, non, c'est trop. Hein. En plus, il est armé, je pense. Contre le feu et les inondations, ouais. Explosion, inondation, je crois. Ah, non, c'est le feu, le truc. Il m'a vu. Non. Qui c'est qui m'a vu? Il est pas mal comme jeu, on avait testé la bêta, ouais, ah bah encore, merde. La bêta, on avait effleuré le truc parce que c'était ce qu'il y avait de moins bien à le début. Ça s'est quand même bien amélioré, j'ai assez hâte de voir un bateau plus énervé, plus de possibilités, et des combats peut-être un peu plus à risque, un peu moins statique si on peut dire. Une fonderie, encore un coup. Alors par contre, si vous me débloquez pas la terre, là, je vais pas le faire. C'est quoi ça? C'est au boutre, hein. Ouais, au boutre, je peux pas y aller. Ouais. C'est peut-être comme ça que je vais y débloquer, c'est quand j'aurai un boutre. Hein. Un boutre en train. Et puis, on a donc appris que les gros bateaux, c'était dans les prévisions. Alors, faudra que je réécoute le truc des développeurs. Pour vraiment comprendre et puis vous dire un petit peu ce qu'il disait, mais apparemment c'est totalement prévu. Des bateaux plus gros ou pas, les deux apparemment, je crois. Mais ils attendent un peu le bon moment, peut-être que c'est trop tôt par rapport aux joueurs qui n'ont pas eu le temps de progresser, peut-être, je sais pas. J'en suis à combien de pognon? 24 000, hein. C'est de la merde. Hein. Je suis redescendu tellement bas. Oh là là, j'étais à 70 000, je crois, tout à l'heure. Ah, effectivement, d'acheter tous les plans, là, ça m'a ruiné. Hein. Grande épave. Bah, je vais y aller alors. Si c'est juste une épave, je vais y aller. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, non, c'est une zone que je connais pas. Carte trésor légendaire. Rang minimum de navire 5. Ouais, j'aurais pu. Hein. J'aurais pu, j'ai niveau 5. Hein, mais...
Bah alors. Ouais, une grande épave qui contient que dalle. Qu'est-ce que c'est ça? Il me dit de faire quoi? Opus 8-2 de Steven. Gâteau de forgeron, c'est là qu'il faut que j'aille faire des épaves vers le truc. Mais quand on aura un nouveau bateau. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On est arrivé. On va aller voir ça tout de suite, le nouveau bateau. Tant pis, j'ai pas trouvé le Basilic 2. Bah, j'aurais dû le demander, le plan, pour voir où est-ce que c'était. J'espère que j'ai pas loupé. Passage là, oui, il y a un passage, allez. On va acheter le nouveau bateau. Alors par contre, est-ce que... Bah oui, j'ai pas de quête à valider là, du coup ça m'emmerde, hein. J'ai pas de quête à valider pour voir si elle la accepte, donc je vais essayer comme ça, mais... Il est temps de changer de culotte, Captain. Alors, est-ce qu'elle va accepter ma mission, cette fois? Ah, il y a une enveloppe jaune. Pourquoi elle est jaune? Parce qu'il n'y a rien. D'accord. D'accord, mais elle était jaune comme s'il y avait quelque chose à faire. Alors maintenant, il y a de nouveau le logo. À quoi dois-je ce vague plaisir? Le vent qui n'apporte rien de bon, c'est peut-être bon. Est un vent bien cruel. Je sais plus. Et regardez ce qu'a charrié la dernière vilaine bourrasque. Mon nom est Uma, la sœur aînée de Yanita. Et voici ma fumerie d'opium, Palka Buta. La Calborgne, si vous préférez. Je sais déjà qui vous êtes. Quoi qu'ait pu vous dire ma sœur, je suis bien plus difficile à satisfaire. Déjà parce que je suis moins souvent ivre. Vous avez traversé l'océan Indien, donc vous savez naviguer. Reste à voir si vous avez autre chose qui vous recommande à moi. Croyez-moi lorsque je vous dis que Telok Penjara ne vous apportera que ce que vous aurez chèrement gagné. La seule exception est ce que j'ai fait. Bureau, qui sera là quand vous serez prêt. La clé que j'avais par toi, j'avais juste été. Pour tout le reste, ici n'est pas Saint-Anne. Car j'avais pas eu le temps d'y rejouer. Du coup, faire 4 heures de boulot supplémentaire, ça m'a permis d'être présent au changement de bateau. Eh ben, entrer dans la cachette du contrebandier, donc c'est bon, ça a validé. Bon, je sais pas où c'est ce que tu m'emmènes là dans la cachette, là, ça m'emmerde. C'est pas ce que j'avais prévu, mais au moins ça a validé. Ouf. Ça va, d'être parti revenu, ça a marché. Ce qui convient à son caractère, disons, commun. Mes goûts sont plus raffinés. Ici, nous transformons le pavot en opium. Pas n'importe quel opium. Nous faisons du lotus bleu. Aussi pur qu'un rêve estival. T'es ça, Tintin, le lotus bleu? Voyage de tout l'océan. Ta blague boutre en train. Il chasse les ennuis et apaise les douleurs. Ouais, ça va. Je suis fatigué, je m'en fous. Les affaires sont prospères. J'ai le droit aussi de faire des blagues pourries. Nous pouvons contribuer à améliorer vos opérations de contrebande, capitaine. Contre rémunération. La timonerie offre des opportunités et des licences portant sur divers types de marchandises et des profits plus élevés. La fumée doit parvenir librement aux foules. Nous sommes là pour vous guider dans vos premiers investissements. Oui, ok, mais pas niveau Gitsune. Ah bah oui, mais il est pas là, alors hein. J'essaie de remplacer, hein. Raffinez votre pavot pour produire de l'opium bleu et faites des stocks pour les commandes à venir. Ouais, bon, c'est un copier-coller. Les grandes sociétés conservent d'immenses stocks de matières premières de la timonerie dans leur fort.
C'est pour vous une opportunité excellente mais très dangereuse d'agir seul. N'hésitez pas à faire appel à d'autres capitaines si vous voulez les piller. Ouais, je vais pas appeler Gitsune, il est en coquille de noix là. Aperçu. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Compétence de compte. Oula, qu'est-ce que c'est que ces bordels? Qu'est-ce que c'est ça? Maître distillateur. Agit 10% de chance de produire un objet supplémentaire lors du raffinage de la contrebande. Améliorer 50 pièces de 8, je crois. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a 24 levels? What the fuck? Mais c'est quoi ce jeu de société, là? Je comprends rien du tout. Compétence du contrebandier. Pari de la timonerie, sécurisation plus rapide. Contrat de la timonerie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des améliorations, mais je comprends pas bien. Est-ce que je dois en acheter 24 ici ou je peux en choisir qu'une? Toutes les améliorations seront réinitialisées en fin de saison. Ah! Dans 2 jours, ils refoutent tout à plat, donc ça sert à rien que je m'emmerde à les acheter. D'accord, je croyais qu'il y avait des choses. Alors, il y a des choses qui remettent pas à zéro, j'ai entendu dans une vidéo. Visiblement, ça, c'est pas le cas. Alors, classement, empire, tout ça, je peux rien en faire. Ok. Les contrats, les commandes, tout ça, juste pour voir, il y a rien? Si. Réseau de ravitaillement. Donc j'ai toujours canne à sucre, canne à sucre, canne à sucre, pavot, pavot, ok. Bon, ça, ça attendra un peu. Hein. On fera peut-être le plein de ces conneries. Je peux peut-être éventuellement produire le pavot puis me barrer. Ah non, c'est quoi ça? Registre de commandes. Ah, c'est les commandes, ça. Il y a les approvisionnements et les commandes. Ok, d'accord. Et il y a la création, d'accord. Pouh, là, ok. Fournir des matières premières. 119 pavots. Ah oui. Honoraire 595 balles, 29 minutes et ils font tout ça. Opium de lotus bleu. Pff, vas-y. Hein. Allez, vas-y, vous produisez ça tranquillement, moi je me barre. Je me barre, j'ai dit, merci. Moi j'ai un nouveau bateau à construire. Plus le temps que ça fait combien? 2h11 à peu près. 2h que je dis que je vais construire un nouveau bateau, aller me battre contre un monstre et je suis toujours pas dedans. Et je me suis fait battre lamentablement plusieurs fois.